Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. اللهم اللهم أعني أعني على ذكرك على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. Aujourd'hui et à présent, nous allons parler de Muhammad ibn al-Munkadir. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai passé toute la nuit à titiller, à gratter, à m'occuper des pieds de ma maman. Alors que mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Il dit, mais sa nuit ne me comblait pas autant que la mienne. Je préfère ma nuit à moi que la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, toute la nuit, pendant que sa maman était allongée, il a pris les pieds de sa maman et lui a fait un massage. Alors que son frère, toute la nuit, il a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Et bien, il a dit, je préfère ma nuit à moi que la sienne. Parce que, dans le fait de s'occuper de sa maman, d'aider sa maman, de masser sa maman, d'obéir à sa maman, et bien, dans cela, il y a une énorme récompense. Et c'est pour cela que des fois, certains enfants, ben, ils sont tristes. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de choses à faire. On a des tâches ménagères. On doit s'occuper de ranger sa chambre ou de ranger le salon ou de faire la vaisselle. Mais en réalité, il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que toi, si tu fais la vaisselle, mais toi, dans ton cœur, tu fais la vaisselle pourquoi ? Parce que tu obéis à ta maman et parce que tu aimes Allah et parce que tu veux qu'Allah y soit content de toi, et bien Allah Azza wa Jalla va te donner une récompense énorme. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va te récompenser et il va. Et peut-être que c'est cette vaisselle ou peut-être que c'est cette obéissance que tu as eue envers ta maman qui va te rentrer au paradis. Qui va te rentrer au paradis. Donc même si tu es fatigué, tu te dois d'obéir à ta maman. Également les enfants. Ibn Omar, radiyallahu anh, répétez Ibn Omar. Il dit qu'un homme est venu voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ô messager d'Allah, je suis venu pour accomplir le combat avec toi. Et je fais cela pour qu'Allah est content de moi et qu'il m'offre l'au-delà, le paradis. Mais regardez ce qu'il a dit. Je suis venu auprès de toi en laissant derrière moi mes parents en pleurant. En fait, comme lui, il a quitté la maison pour voyager avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa maman et son papa, ils ont pleuré. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, retourne les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Donc ici, est-ce qu'on doit faire pleurer nos parents? Non. Mais on doit faire rire nos parents. On doit rentrer la joie dans le cœur de nos parents. Qui peut me dire comment on peut rendre heureux nos parents? Comment on fait? Quelles choses on peut faire pour que nos parents soient contents de nous? Oui, Tesnim. Un dessin. Alors, un dessin, quelque chose qui va lui faire plaisir. Oui, Farah? Aya. Aya, pardon. Comment on fait pour que les parents soient contents de nous? La vaisselle. Ah oui, on peut faire la vaisselle, on peut aider, on peut faire les tâches ménagères. On peut faire
Oui, Ubaydallah. On peut essayer de ne pas faire des bêtises. Alors, bien sûr, exactement. On ne fait pas de bêtises. Nos parents seront contents de nous puisque l'on a un bon comportement. Bon. Oui, Naila? Tu sais plus? C'est pas grave. Oui, Selim? Le ménage. Oui, voilà, on l'a déjà dit. Oui, je t'écoute. Le lit. Le lit, voilà, tout ce qu'il y a à la maison. Oui. Oui. Pour qu'il soit toujours heureux. Exactement, mais comment on peut faire, oui, Smaïn? Mettre des jouets dans le bac. Voilà, ranger, oui. Voilà, s'occuper de notre maman, s'occuper de notre papa. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Oui, Kaïs? Si on peut aider pour faire la maison. Exactement. Moi, je vais vous dire une chose. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est bon. C'est bien. Moi, je vais vous donner une chose pour que l'on est sûr. Regardez. Vous allez faire une chose. Allah, il sera content de vous et vos parents aussi seront contents de vous. C'est de faire la prière. Quand vous vous levez le matin, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous rentrez le midi à la maison, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous rentrez de l'école, vous faites vos ablutions et vous faites la prière. Quand vous voyez que le soleil commence à se coucher, qu'il commence à faire noir, on fait nos ablutions et on fait la prière. Et quand le ciel est tout noir et que c'est bientôt l'heure de dormir, on fait nos ablutions, on fait la prière. Alors si tu fais la prière, Allah Azza wa Jalla sera content de toi. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala est content de toi, automatiquement tes parents aussi seront contents de toi. Également écoutez cette histoire magnifique de Anas. Qu'est-ce qu'il dit Anas? Il dit: une nuit, la mère de Abdullah ibn Mas'ud, répétez Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, c'était un compagnon qui était très gentil, comme tous les compagnons, tous ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont les compagnons et ce sont les meilleurs des hommes et les meilleurs des femmes. Un jour, la mère de Abdullah ibn Mas'ud, elle lui a demandé de l'eau. Sa mère, elle avait soif. Sa mère, elle avait soif. Elle lui a demandé de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que, en leur temps, il n'y avait pas comme nous un frigidaire avec à boire, avec des yaourts, avec des... Il y a quoi dans votre frigidaire? Il y a du fromage, du jus, des fruits. Avant, non, ça n'existait pas. Et regardez, tout ça, c'est des cadeaux, c'est des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Vous savez qu'il y a des enfants, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Nous, alhamdoulilah, quand on rentre chez nous et on a soif, est-ce qu'il y a de l'eau à notre maison? Oui. Et que l'on a faim, est-ce que l'on trouve à manger à notre maison? Oui. Eh bien, tout cela, on doit dire alhamdoulilah. On doit remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits et les cadeaux qu'il nous a donnés. Et là, la maman de Abdullah ibn Mas'ud, elle avait soif. Donc, elle a dit à son fils d'aller lui chercher à boire. Il est parti, il a marché, il est parti jusqu'au puits. Il a pris de l'eau. Mais le temps qu'il rentre à sa maison, sa maman, elle était fatiguée et elle s'est endormie. Elle s'est endormie sans avoir bu l'eau qu'elle a demandée. Vous savez ce qu'il a fait Abdullah ibn Mas'ud? Lorsqu'il a trouvé sa mère endormie, il est resté immobile. Il est resté sans bouger auprès de sa mère jusqu'à ce qu'elle se réveille. Jusqu'au petit matin. Il n'a pas dormi de toute la nuit.
Il n'a pas dormi de toute la nuit. Toute la nuit, il est resté immobile avec le verre d'eau, avec de l'eau, pour attendre que sa maman se réveille et pour donner à boire à sa maman. Pour donner à boire à sa maman. À sa maman. Donc regardez les enfants, le bon comportement. Le bon comportement que l'on doit avoir envers nos maman. Envers nos parents et surtout envers notre maman. Donc lorsque ta maman te demande quelque chose et qu'elle te demande d'aller lui chercher à boire ou d'aller lui chercher à manger ou d'aller lui chercher son téléphone ou d'aller lui chercher son chargeur ou d'aller lui chercher ses habits ou son hijab ou ces choses-là, est-ce qu'on va dire « Oh, c'est toujours moi. Et pourquoi c'est pas mon frère? Et pourquoi c'est pas ma sœur? Et tu demandes toujours à moi. Et aujourd'hui, et tu m'as déjà... » Est-ce qu'on va commencer à dire ces choses-là? Non. Non. Qu'est-ce qu'on va faire, Neila? On va le faire pour gagner des hasanats. Exactement. On va le faire pour gagner des hasanats. On va le faire pour qu'Allah Azza wa Jalla nous récompense et pour gagner le... paradis. Pour gagner le paradis, pour gagner le Jannah. Oui, oui, Aya. En fait, à 4 ans, ma mère me demandait toujours à moi de jeter les couches. Oui, mais c'est bien. Et toi, tu les fais. Toi, tu obéis à ta maman, d'accord? Si elle s'occupe de ton petit frère ou de ta petite sœur, elle change la couche. Toi, tu prends la couche et tu vas la mettre à la poubelle. C'est bien. Comme ça, toi, tu vas avoir un bon comportement vers ta maman. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il va te... récompenser. Allahumma salli. Allahumma salli. Ala Muhammad. Ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita. Kama sallaita. Ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم بارك على محمد على محمد وعلى آل محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.